Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et sur la nouvelle édition qui vient juste de sortir le 27 août 2021. Elle est sortie, pour plus précisément, c'est l'édition Évolution Céleste, l'édition toujours dans le bloc épée et bouclier. L'édition, elle s'appelle EB07. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais ouvrir ce très beau tripack. Donc c'est un tripack Noctali qui contient donc un jeton, une carte promo et trois boosters de cette nouvelle édition. Donc c'est cool, ça va vous permettre de découvrir les cartes. Alors c'est vrai que, les amis, c'est très 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 compliqué depuis quelques éditions de se procurer des cartes Pokémon. Il y a une pénurie, une rupture de stock un peu de partout. Donc là, j'ai la chance d'avoir pu procurer ce tripack. Donc je vais pouvoir vous en faire profiter. C'est vraiment 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 cool. Et comme ça, on va découvrir le logo, on va découvrir cette nouvelle édition qui a quand même plus de 200 cartes. Je crois qu'il y a, il y a des Pokémon super sympas. J'ai pas trop été en réussite avec les tripacks sur la dernière édition EB06 Reine de Glace. J'ai pas eu grand chose, voilà, donc là j'espère que je vais pouvoir vous montrer un peu mieux, on va dire. C'est vrai que les tripacks, c'est pas forcément quelque chose qui me réussit, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre ces boosters. Après, pour ceux qui aiment les collections de pièces, une nouvelle pièce. Et puis Noctali, je sais pas, j'ai déjà ouvert un tripack Noctali, il me semble. Et alors voilà, la carte promo, elle est pas mal, hein, la carte promo. Voilà, c'est la numéro 129. On en est déjà à la numéro 129 des éditions épée bouclier. C'est quand même des cartes promo, c'est carrément pour les collectionneurs. C'est quand même un. Bah, ça s'élève, c'est compliqué de toutes les avoir parce qu'il y en a plus d'une centaine. Cette carte code du JCC Online. Je vous donnerai le code à la fin de la vidéo, comme je fais d'habitude. Et il y a ce petit jeton. Oh, il est abîmé sur le côté. Ouais, oui, il est abîmé. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, j'ai un autre tripack. Bon, bah dommage. Et voilà. Et c'est parti. J'ouvre, les amis, le premier booster. Alors, ça va être la surprise. La surprise avec ces nouvelles cartes. Le booster s'ouvre très bien. Hop, je vais vous donner déjà en premier la carte code. Allez, c'est parti pour les joueurs sur le JCC Online. Voilà. Hop, je vous remets ce code. Ça vous permettra de pouvoir avoir des avantages dans le jeu en ligne. Ah, c'est pas de bol, là. La carte, elle est abîmée légèrement. Ok, bon. Elle est abîmée sur le haut. Bah, c'est comme ça. Le booster était comme ça. Légèrement abîmé sur le haut. Voilà la première carte. Alors voilà, déjà le logo, les amis. C'est le logo ici, EB07, Évolution Céleste. Et puis, il y a 203 cartes non tarifiées. Bon, comme vous le savez, il y en a plus, parce qu'il y a toujours des ultra rares, des cartes qui vont au-delà des 203. Donc la première, c'est Drabi, c'est une commune. C'est un tripack en version française, hein, petite précision. C'est vrai qu'à un moment, je vais peut-être me pencher sur les versions anglaises, parce que c'est tellement difficile d'obtenir ces nouveaux articles. Et Lionceau, la numéro 22, une commune rouge. Nénupio, c'est une commune bleue, la numéro 32. Tedursa, numéro 126. Exagel, la numéro 43. Les cartes sont sympas, elles sont magnifiques. Et maintenant, on arrive aux peu communes. La première, c'est Géolite, la numéro 87. De l'édition. Floravol, avec le petit logo 1000 points. C'est la numéro 3 de l'édition. Et Brasilion, donc la troisième peu commune de ce booster, c'est la numéro 139. Maintenant, c'est la carte énergie, énergie combat. Et maintenant, on a la carte reverse. Alors, la première, et c'est parti, Ponchio, c'est une commune reverse, la numéro 133. Et la rare, c'est Farramp. Alors c'est vrai que j'ai vu qu'elle était légèrement abîmée là, en haut. Et c'est pas non fait, parce que c'est pas l'ouverture. Je pense que c'est à la fabrication. Alors j'aurais eu les boules que ça soit une ultra rare. Bon là c'est une rare classique, c'est la numéro 56. Farramp. Donc c'est une rare classique, donc ça me dérange un peu moins. Ça aurait été une carte ultra rare. C'est vrai que j'aurais été un peu dégoûté quand même. Hein. Voilà, donc voilà ce premier booster les amis. Bon bah pas grand chose.
On change pas les ouvertures de tripack. C'est vrai que alors, c'est déjà très, très difficile de s'en procurer. Mais en plus, les prix deviennent exorbitants. Et en plus, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors c'est vrai que moi, je conseille presque d'acheter les cartes à l'unité. Si vous les collectionnez, parce que ça devient plus intéressant. Allez, deuxième booster. On va quand même sur cette vidéo découvrir ce qu'il y a. Et puis la semaine prochaine, j'ouvrirai le deuxième tripack, aussi le portfolio, parce qu'il y a un petit booster, et j'ouvrirai 4 autres boosters à l'unité. On sait jamais, je vais peut-être espérer avoir un peu de chance et obtenir une carte sympa. Donc voilà le deuxième code pour le JCC Online. Allez, c'est parti les amis. Et première... Ah, encore Drabi. C'est le numéro 107. En deux boosters, voilà, ça commence bien. J'ai deux fois la même commune. La probabilité, je ne sais pas combien il y a de communes dans l'édition. S'il y en a 80, il faut quand même le faire. Hein. Après, l'off disc, le numéro 39, commune bleue. Grenipio. Ah, c'est la 5. Commune verte. Parcool. C'est une commune blanche, la numéro 129. Avec le petit logo point final. C'est vraiment la folie, ces 4 Pokémon, c'est un truc de fou. Fla bébé, avec le logo 1000 points. Commune numéro 71. Et la première peu commune. Bagaïd, les amis. La numéro 99. Une peu commune noire. Ah, une autre peu commune blanche, là, c'est Urzaring, la numéro 127. Et un dresseur, enfin un petit dresseur, hein. Caverne de cristal, le numéro 144. Bon, ça y est, un premier dresseur. Généralement, dans les éditions, là, on a 144 en numéro sur 203. J'imagine qu'il va y avoir moins de 50aine de dresseurs dedans, ou de cartes un peu différentes, hein, on va dire. Bon, l'énergie plante et la reverse, les amis, la reverse, soporifique. C'est une commune reverse, le numéro 61. Allez, la carte rare, les amis. Hop, 1, 2, 3, hop! Oh! Oh là 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 là! Nymphalie VMAX! La 75! Oh, en plus, elle est magnifique! Oh là là! Ah, bah, ça change des tripacks qu'il n'y avait rien! Oh, regardez cette brillance! Les yeux et. Oh, la carte, c'est une carte de fou! Mais elle est vraiment, 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 vraiment très, 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 très belle! Ouh! Et ben voilà, bon bah ben là je suis bien content les amis, je vais me la mettre là. Nymphalie VMAX, là c'est super. Voilà, une super carte pour cette nouvelle édition. Ah, puis j'aime bien toutes ces cartes à brillance un peu rose-violette. Les couleurs sont magnifiques. Oh bah c'est super. C'est super là. Allez, le dernier booster, et après je ferai un petit bilan, et puis je vous donnerai le dernier code du JCC Online. Allez, le code JCC Online que vous pouvez récupérer pour jouer en ligne. Voilà. Ah, bah c'est super parce que au moins j'ai récupéré une bonne carte. Je sais que pour Reine des Glaces, la Reine des Glaces, j'avais rien récupéré dans cette édition-là. Et après, Reine de Glace, j'ai pas pu avoir une boîte de 36 boosters. Et je crois, les amis, que ça va être compliqué de s'en procurer à partir de maintenant. Les prix en ligne des boîtes de 36 boosters sont maintenant à 300 euros. Enfin, ça devient déraisonnable parce que depuis deux éditions avant, on pouvait les s'en procurer à moins de 200. Maintenant, c'est quasiment 300. Ça devient n'importe quoi. Enfin bon. Allez, première carte, c'est une commune. Barpo, la numéro 37. Ensuite, Tignon. La numéro 81. Parcool. Ah, bon, j'ai déjà eu la 129. Chlorobulle, la numéro 9. Ah, Pikachu, un petit Pikachu, la numéro 49. C'est bien. Pour ceux qui collectionnent les Pikachu, vous savez qu'il y en a une dedans. Hein. Ponchien, la numéro 134. Là, c'est la première peu commune, hein, par contre, là. Hop, un nouveau dresseur, cool, rouleau du dragon, accro, point final. C'est une peu commune, à numéro 158. Floette, la numéro 72, peu commune,
Toujours. Donc là, maintenant, on arrive à l'énergie. Énergie haut. Bon. Et la reverse, Nenupio. C'est une commune reverse. Bon, le numéro 32. Bon, voilà. Dans ce tripack, il n'y a pas eu grand-chose d'un point de vue reverse. C'est trois communes. Du trois communes. Après, il y a Nymphali VMAX. Et la dernière, la 4 rare. Après, je vous donne la dernière carte du JCS Online. C'est parti. Tchou! Oh! Une holo rare! Marchado, la numéro 80. Bon, bah ça, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool. Vraiment, 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 vraiment cool. Alors, les amis, vous voyez dans ce petit tripack, bon, en plus de la pièce, de la carte promo Noctali, j'ai pu avoir Nymphali VMAX et Marchado holo rare. Ah, j'ai pas été chanceux dans les précédents tripacks. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu quelque chose d'intéressant dans un tripack. Alors là, c'est top, les amis, je suis bien content. Voilà, ben écoutez, c'est une bonne petite vidéo. Et je vous donne le dernier code du JCC Online. Pour ceux qui veulent le récupérer. Et voilà, et ben écoutez, les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et sinon, pour les prochaines vidéos sur cette édition EB07 Evolution Céleste, ça sera pour le week-end prochain. Voilà, à très bientôt les amis.